Hier encore, c'est le temps de la parole. Gloire à Jésus. Et pour l'actualité sur les États-Unis, la Côte d'Ivoire, quand je vais prendre mon culte, je vais vous informer, il y aura un direct où je vais parler aux petits animés de Côte d'Ivoire. Dis amen. Mais dimanche, là, je le laisse encore se marmailler pour que la confusion soit grande. Dis amen. Tu sais, Dieu te rend pauvre. Pour que quand tu seras riche, tu saches qu'il t'aimait. Si quand tu es né, tu n'as jamais connu la pauvreté, tu feras beaucoup d'erreurs avec les hypocrites. Amen. Dieu fait qu'aujourd'hui tu es passé par beaucoup de choses pour que tu sois habité par le discernement. Que tu puisses connaître des vrais amis, des vrais parents, des vrais ennemis. Tu me comprends? Mais s'il n'y a pas de problème qui t'arrive, tout le monde est ami avec toi. Amen. Mais c'est quand le problème arrive, tu sais si tu vas en être ou t'aimes pas. Si ton tonton est un ou t'aimes pas, le Seigneur met des situations devant ce monde entier pour savoir dans les cœurs des humains qui vraiment invoquent le Seigneur. Amen. Dis amen. Amen. Dis avec moi le discernement. Le discernement. Jésus dit qu'il va pleuvoir, vous humains, vous savez discerner le temps. Vous savez dans la nuit si demain il va faire chaud ou il va faire froid. Si il va faire bon temps, si il va faire mauvais temps. Et depuis des millions d'années, quand vous dites ça, le lendemain, c'est ça. Mais comment vous pouvez savoir ce qui va être demain? S'il va pleuvoir ou il va pleuvoir? Et puis vous ne pouvez pas discerner le temps, ce qui sera demain, ce qui ne sera pas demain. Rentrez un peu en vous-même. Les temps sont mauvais. Mais dans le mauvais, il y a un Dieu qui nous gère. Amen. Et c'est ça mon assurance. Attends, tu n'as pas cette valeur, mais on te donne. Tu n'as pas taillé, mais on t'établit. Il y a eu quelque chose à se passer sur la terre. Il n'a pas fini pour eux. Il n'a pas fini pour eux. C'est que Dieu t'a dit là. Et ça est pas bon. Amen. Il n'a pas fini pour eux. Même si Dieu n'a pas dit. Mais ce que toi t'as dit là, et ça est pas vrai. Il pense pourquoi il a été quand tu l'as fait. Vous voyez, pasteur, pourquoi elle est décalée, en fait? J'ai dit, dans ma vie, il va mourir. Tu fais un cas. C'est une partie de ma vie, mais moi-même, j'ai dit, il va faire. Dis, pasteur, pourquoi? Il fait de lui des délices. Pour attirer la femme de Dieu, faites de l'éternel votre délice. Et il donnera ce que votre cœur désire. Car ce serait le voyage. Parce que la foutaise, ça, c'est un signe de grandeur. De vous là, on vous grandit. Actuellement, il y a un président de pays, les gens se moquent de lui. On dirait un comédien, on dirait un vaurien. Attention, les premiers pays, mais les derniers arrivent. J'ai dit, il y a eu beaucoup de choses dans ce monde en 2000. L'an 2000, il y a un monsieur qui s'appelle Agor. Et il y a un monsieur qui s'appelle George Bush. Dieu me dit, Bush, Bush, va en tigresse. Dis-moi ce qui s'est passé. Ami, ce qu'il te dit là, il a échoué l'élection. Il a échoué, lamentablement. Ils ont vu les danser. En janvier, c'est Bush qui a pété ses mains. Donc vous les prépare, sautez, sautez. Mais regarde, et c'est même là, il y a un mémoire système. Bande de pasteurs. Vous pensez que c'est mon pasteur qui se justifie là? Quand il a dit quelque chose là, il a dit, même si Dieu m'a parti, moi, ta vie de l'air, j'ai tapé le monsieur en tant que président. Mais au nom de Jésus, je l'ai établi. Amen. C'est mon autorité. Amen. Autorité. Autorité. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Tout ennemi, toute puissance, toute langue, toute
la comporte, tu la condamnes. Tous tes pieds, je mets tes ennemis comme escabeaux. Ceux qui ont le pouvoir de lier dans le ciel et sur terre. Le feu de Christ en moi.